On attend toujours l'habitude de combat rapide entre deux combats de thème pour obtenir la quatrième place. La quatrième ticket pour les demi-finales. Et vous semblez monter. Mais toujours beaucoup d'énergie, il était très bien préparé. Sont à votre disposition des raquettes avec des produits locaux également. Faites-vous plaisir. Ce combat a une durée en dessus de nos projections. Nous enchaînons dans la première demi-finale avec la paire composée du numéro 14 et 27. Soit entendu dans l'arène pour la première demi-finale. La paire portant le numéro 14, Bijou Teddy Virin, qui sera confronté à la 27 victoire de Georges Bensoussaré. 14 et 27 pour la première demi-finale. De la météo de toutes les manches. La température ambiante est des plus agréables. Petite remarque d'importance également pour vous restaurer. Un petit casse-croûte, un petit casse-croûte à l'emporter, 20 euros à les ans, produit du terroir valotin, produit du terroir local, et à l'emporter est à disposition pour les intéressés. Benjamin et son homologue valotin sont là pour vous aider à ne pas partir d'ici sans apporter quelques traces locales de l'événement avec finalement des produits du terroir valotin, du terroir valaisan. Un bon mix sera bienvenu pour que vous puissiez ravir votre domicile dans les meilleures conditions possibles. Et je répète que nous attendons dans l'arène la première paire invitée dans l'arène pour les demi-finales. Composé numéro 27, 27 avec de Jean-Hubert Victoire. Face à elle, la 14, qui joue des dixièmes. On a que la 27. La 27 victoire de Jean-Hubert de Charrier. Une très belle petite chambre qui fait plaisir à entendre ici.
Il y en a qui dans l'arène Eddie Guérin et Sarah Pivot. Et nous sommes déjà au start des demi-finales. Une vache dans les armes, une vache dans l'hôtel. Deux écarts pour Tony, pour Marchand Bapille. Et il dira, Jean Vives, ils sont là. Et ils sont devant encore. Qui sont presque ignorés dans le conteneur, même à ce stade de l'événement. Les premiers du combat, on le remarque, sont tout aussi importants que le combat lui-même. Une poignée de main entre deux propriétaires, aussi tendu un vote.
Oscar pour la demi-concert et les passes de la pour la finale sont tout aussi difficiles. C'est de Valopen pour la passe en vue et toujours aussi en septembre. Et effectivement, peut-être changer leur mode de faire, donc expliquer beaucoup de temps jusqu'à ce dernier combat. La chance ça semble plus ou moins être à égalité. En début de combat, voyons le victoire semble être plus terrible de sa force. C'était très très généreux. La douleur de s'arranger, Thomas, le 17 septembre, est agendé et maintenu. Vous pouvez vous proposer à s'arranger également. Voilà déjà Thomas, dimanche 17 septembre. Soyez les bienvenus également s'arranger. Les deux balles de peine pour la place en demi, pour la place entre Bijou et Victoire pour la place en finale. Descendante notamment depuis plusieurs générations de Kirena. Kirena reine à la finale du Genadoc de 66 à 69 notamment. Sadat, pour moi c'était avant-hier. Certains, je pense qu'on fait maintenant en mémoire ce genre d'événement. C'était un grand défi d'organiser le combat de Spaco Valse à la fille. On s'est sauté un peu dans les premières, ça serait pas mal, on pourrait le faire. Finalement, on le fait, le spectacle est de grande qualité et nous a pas le tour.
Donc, le combat n'est pas pendant, a été bien cash, sur une échappée de personnes qui ont été avant-gardistes, qui ont rougé la violence. Ça a pu se faire avec des modalités sanitaires pour le détail qui ne sont pas si difficiles à atteindre. Finalement, un peu de bon sens, de bonne volonté des propriétaires, avec des infrastructures similaires, avec des enjeux, des sanctions. Mais finalement, le combat peut perdurer et chaque année il y a lieu dans un pays différent, inconnu ce 3 ans entre le Vendôme, la France et la Suisse et ainsi de suite. Nous en sommes à la 10e édition et je pense que cela perdure. Et le combat peut être comptabilisé, la numéro 4 est qualifiée pour les demi-finales et la numéro 2, la numéro 2 est cinquième de ce événement. La numéro 2, Tormente des frères Arvan de Denas. Tormente des frères Arvan, cinquième écho du combat d'Espace Mont Blanc 2023 ici à la Poulie. Bravo à Tormente et bravo aux frères Arvan. On procède à l'arbitre pris pour la cinquième écho. Pour la numéro 2, Tormente des frères Arvan. La numéro 4 reste à l'intérieur de la veine. En position, le moins de dépenses d'énergie qui pourrait péjorer son comportement pour la suite de la journée. Devant le bus du jury, la numéro 2, 5e écho, Tormente des frères Arvan qui obtient le prix. Le prix du 5e écho, on peut l'applaudir. Tormente pour son premier parcours. Bravo à la balle de terre et bravo au frère Arvan de Denas. On va plus voir depuis l'activité familiale. Tout l'entourage familial est également là pour fêter l'équipe et de partager les émotions sur la toute petite main sont bienvenues dans les exploitations agricoles. Il y a un purement chef d'exploitation, c'est un grand moment, mais il y a toutes les petites mains qui est ici au quotidien, tous les jours de la semaine. Et on voit qu'on est toujours à voir ce partage d'émotions sur son enfant, également dans les combats de même, dans les villages. Il y a également tous les travaux humbles du quotidien qui sont partagés. Merci à toutes les petites mains. Et on applaudit encore Tormente de faire en bas. Elle le mérite. Encore 4 fêtes en cours pour le titre de l'espace en 2023. Encore le Cleva de Thème et encore Cleva les Annes. Les pronostics sont ouverts.
récupérer quelques instants la tête numéro 4 par l'escarpe de William Brio de Coeur. Déjà lundi au Varenne, à savoir pas jusqu'à de William Brio, et on invite à rallier la reine la numéro 38. Numéro 38, Moucha de la ferme des Crêtes à Grimisois. Deuxième combat de demi-finale entre la numéro 4 et la numéro 38. 4 pas jusqu'à de William Brio, 38 Moucha de la ferme des Crêtes. À partir de 8h30 pour tout se dérouler mieux. Le démontage sera en cours journée demain 17 septembre à partir de 8h30. Tous les bénévoles, donc tous les enfants, je dis bien tout, pas simplement quêtes, sont attendus sur le site pour le démontage. Il n'y a pas simplement l'attente de quelques-uns, vous êtes attendus. Les organisateurs sont en attente pour vous investir au mieux. Pour la réunion de la deuxième demi-finale également, avec un coup de tourne exceptionnel, pas mal de cette deuxième demi-finale, pas Micha, mais rien n'est acquis, rien n'est comptabilisé pour l'instant, la numéro 4, pas Jessica de William Brio, la 38 Micha de la ferme des Crêtes de Grimisois. Des bêtes qui resteront dans nos mémoires, dans la façon de combattre, quelle que soit l'issue du combat, par leur morphologie, leur esthétisme également. Thank you.
Vados, Fané, Vados, Fané, Fané, Vados. Oh là là. Pour le Vados, en course, un numéro 4 par le chat de Liliane Rion. En course également, un numéro 14, Bijou de Liliane. Pour la suite, victoire de Liliane, un numéro 24 et 38. Lisa de la fin de prête. Et Lisa de la fin de prête à la première finaliste. Comme Lisa de la fin de prête. Et on connaît la troisième édition, la première troisième édition de 60 en 2023. Troisième édition, la numéro 4, Pagesca de Liam Rio de Carre. Bravo Rio et bravo à Pagesca. Et le troisième prix, Enrico, la 3-4, est attribué, je le répète, à la numéro 4, à Pagesca de William Rio, qui va faire son tour d'honneur. Et on applaudit Liam Rio également. Encore 3 minutes en plus pour le titre de l'espace urbain 2023. Une fois de thème et deux dans les pour vos applaudissements de pour Pablo Escar, qui termine son tour d'honneur avec ses premières places au dépôt dans le classement en 2023. Qui rappelle également, si vous avez quelques passions saines à accueillir en cours d'hiver, nous sommes ici sur le tracé de la piste de fond de la Coulure-Vacherie, et vous êtes les bienvenus si vous voulez vous défoncer quelque peu après avoir soigné vos bêtes durant l'hiver. Pour ce fond, vous pouvez vous travailler sur le site et reconnaître le site de façon en 2023. Bienvenue à vous, le Vacherie est là pour vous accueillir en ce jour et également. Pour que vous venez, soit en été, soit en hiver, soyez les bienvenus. Et il est toujours incertain dans cette semi-finale entre Victoire et Bijou, Victoire de Jordi Best de Sarriers,
et Bidou Guédu Guérin de Saint-Manceau. Bidou, 605 kilos. Victoire numéro 27, 630 kilos. Ces émotions, ce partage de combativité. Merci à vous. Quelques temps de répit, nous avons plaisir à toute la journée qui se déroule de fort belle manière, laissant quelques temps de récupération à Victoire et à Jean-Vie. Jean-Vie doit aussi récupérer. Et nous connaissons les deux finalistes, je dis bien nous connaissons les deux finalistes du combat d'espace pendant 2023, elles sont sous nos yeux. La 27 victoire de Jean-Vives de Sarayé. Puis de Violette, de Saint-Marc de Véron, de Violette, de Dominique Bonnet, avec une petite touche de la Dominique Sarayé-Barras, Dominique notamment, avec en main de son fils Sébastien et tout son entourage familial dans les vaches. Le grand filet avec les vaches aux avant-postes, avec notamment le coup à la fois des armes et bien ensuite également. Et face à Victoire, ici nous sommes au 6-0, 6-0 de Terminat. Nous avons face à elle, numéro 38, une vaste anthologie également, par sa manière de combattre ici sur le site de la foulée de l'Arcoron précisément, avec un esthétisme vraiment qui fait envie, une morphologie en ombre, un petit ton en ombre, même un système mammaire, sans faute à mes yeux. Une vache référence à la Gérard des vaches par son comportement et par sa morphologie. Nous connaissons les deux finalistes. Nous laissons encore quelques temps à Victoire pour récupérer
avant que ne s'engage le combat pour le titre de Rennes de l'espace en 2023 ici à La Foudie. Et bravo encore à Heidi Vérin et à Bijou, troisième écho de Champion en 2023. Les choses étant ce qu'elles sont, les propriétaires sont invités à lâcher leur veste et les joueurs sont d'assister au combat politique au Rennes de l'espace novembre 2023 ici à La Foudie Valcareux. La Rennes de l'espace Mont-Blanc 2023 sera succès, sera valaisanne. Sera-t-elle de Valle ou sera-t-elle du Valais central? Victoire numéro 27, Nisha numéro 38. Des bêtes qui prennent le temps de préparer leur combat. Rien n'est joué. Un combat de toute grande cuvée par rapport aux bêtes présentées, par rapport au spectacle présenté. Nisha, 628 kilos. 27 victoires, 630 kilos. 2 kilos d'écart entre les bêtes, donc similitude quant au poids. Pour gratifier au mieux la reine de l'espace mondial chaque année, un trophée passe de main en main. Chaque année, trophée de l'espace mondial, trophée présentant en main des travailleurs et des manches, propriétaires de canailles. Il passera en main d'un éleveur de Grimisoire ou d'un éleveur de Sarayé. Le public est excellent, merci à vous. Peu de propos. On attend. La finale de l'espace mondial 2023, tous nos yeux ici à La Foudie. Thank you.
Les bêtises changent leur mode de lutte au gré des combats, au gré des congénères en grande rotation. Et ça va. Peut-être le cursus de ses bêtes, il est moins bien de droite, peut se laborer. Et c'est la reine de l'espace mondial 2023. Y a-t-il une revanche qui exclut cette finale? Antoine Lima, et on connaît la reine de l'espace mondial 2023. La Lampine, tout d'abord, avec cette victoire de Jean-Michel Sarrayer. Et la reine de l'espace mondial 2023, la bête au camp numéro 38, Micha de la ferme des Crêtes à Grimisua, Micha de Rémi Bruta et son entourage, coup de chapeau à Micha, coup de chapeau à la ferme des Crêtes et à Rémi Bruta. Rémi qui nous a présenté une bête hors norme, elle est reine de l'espace mondial 2023, elle est magnifique en morphologie, une bête d'anthologie. Elle était citée parmi les favoris. Elle a répondu à toutes les grenouilles par ses ailes. Coup de chapeau à tout l'entourage de Micha. Coup de chapeau à la ferme des Crêtes, à Sébastien Mauvais, qui l'a amené de fort belle manière. Coup de chapeau à toi. Coup de chapeau à Micha. Et bravo Rémi Boutin. Rémi, on a eu des passes difficiles. Et aujourd'hui, je pense que ça veut que tu puisses saluer. Une bonne main avec toi tout à l'heure. C'était pour moi. Réconfortant, pour toi aussi, et tu nous as gratifié d'un spectacle reculé. Merci Rémi. Et merci à chaque spectateur, à tous les participants à ce combat de l'espace mondial 2023. Un merci aux personnes qui ont été ici en tant que responsable au sein du jury, en tant que rédacteur. Merci à tous les bénévoles qui sont là pour vous accueillir. Merci à chacun, et que la fête continue ici, pour peut-être. Et bien vous partir avec quelques produits terroirs, quelques raquettes, quelques produits servis, ici sur le site ou à la foulie, avec les responsables du sujet. Et merci à chacun d'avoir corrigé peut-être les imperfections, les petites lacunes, que les personnes qui ont été égratignées ou émoussées vos paroles. Merci encore à chacun, que la fête continue ici sur le site de la foulie, que la fête soit belle et que perdure. L'espace tombant. Merci encore à chacun. Bonne fin de journée à tous. Et information d'importance, encore le quartier gagnant au sein de l'arène pour la photo. La photo des quatre protagonistes avec l'arène de l'espace tombant, cette au fil et le troisième petit coup. On a plaisir à les nominer à nouveau. Merci.